sur le premier but, je fais une bonne sortie, et au moment où je me relève, l'autre il frappe, il la met entre les jambes, elle rentre. Ma pensée, c'était, attends, je vais pas être noir pendant toutes ces coupes du monde, quoi. Voilà, après, t'as l'égalisation, c'est un match, mais on sent bien, quoi, on sent bien, et puis, il y a la prolongation, il y a le but de Marius, c'est le deuxième Marius. Et là, on sent, mais sur une autre planète, le but de Gires qui suit derrière, on dit, on va les atomiser. Et là, franchement, on s'est dit, ils vont prendre la rousse de leur vie, ils vont voir ce que c'est que petit Français, quoi. Et puis, il y a ce deuxième but qui nous fait changer complètement où l'émotion change complètement, où les mots changent d'âme, où là, c'est la peur qui arrive, c'est la crainte, et on sent que le troisième but va être inévitable quelque part. Hein, donc, non. Mais c'est sûr que ce match, c'est un condensé de toutes les émotions que tu peux connaître dans le foot, dans toute une carrière, les joies, les peines, les doutes, les craintes, les certitudes. Tout ça, en 2 heures de match, ben, on a tout connu en 2 heures de match, quoi. C'est quelque part, c'est pour ça qu'on est tous contents d'avoir fait ce match-là, quoi.